Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à la première course de la deuxième édition de la formule monotype Clio RS Cup Maroc. Bonjour et bienvenue dans Auto Info. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première manche de la deuxième édition de la Clio RS Cup qui se déroule dans le circuit d'Ascari qui se trouve au sud de l'Espagne. Avec nous, il y a M. Gilbert Guzzo, le promoteur de cette formule nationale. Il va nous parler du choix de ce site et des prochaines étapes qui se dérouleront au Maroc. M. Guzzo. Bonjour. Quel plaisir d'avoir des partenaires du Maroc qui nous ont suivis jusque dans le sud de l'Espagne, à Ascari, qui est un circuit de 5 km 250, où nous avons eu le plaisir d'amener nos 18 Clio RS Cup. Pourquoi le choix de ce circuit ? C'est pour nous préparer dans cette première édition de l'année 2012 avec l'ensemble des pilotes, car nous préparons 4 manches dans la manche du championnat du monde qui va se dérouler à Marrakech du 12 au 15 avril prochain. Pour le lever de rideau de la saison 2012 de la Clio RS Cup, formule monotype entrant dans le cadre du championnat du Maroc sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Automobiles, les organisateurs ont vu les choses en grand. Le circuit Ascari, carrément, cette superbe piste, la plus longue d'Espagne avec ses 5,5 km, a été baptisée en hommage à Feu Alberto Ascari, double champion du monde italien de Formule 1 dans les années 50. Il faut dire que cette manche n'est pas seulement la première des 10 manches programmées cette saison. C'est aussi, comme l'a indiqué Gilbert Guzzo, boss d'Automobile Menara et promoteur de la formule Clio RS Cup Maroc, une sorte de répétition générale en vue des manches qui seront disputées sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech en marge du championnat du monde FIA de WTCC. Vous pouvez commencer à redoubler dès que vous voyez le drapeau vert. Dans les paddocks, le spectacle est haut en couleur et l'ambiance bon enfant. Mais dès l'entame du premier briefing de la journée, la tension monte dans les rangs des 18 pilotes engagés. Et elle va crescendo. Quand arrive la séance d'essais libres, l'heure n'est plus vraiment la rigolade. Si elles n'ont aucune incidence sur le classement, ces séances n'en demeurent pas moins essentielles, car elles permettent aux pilotes de reconnaître le tracé du circuit et d'en prendre la mesure en repérant ses différentes difficultés. Quelques chicanes et épingles de ce circuit aux 26 virages exigent une parfaite technique du drift, de la glisse contrôlée du train arrière. D'ailleurs, quelques pilotes ont brouté l'herbe dès la séance d'essai libre, faute d'une gestion parfaite de la motricité en entrée et en sortie de courbe. Des petites erreurs de pilotage, heureusement sans conséquence, tant pour l'intégrité physique des participants que pour leur machine. En parlant des bolides, ils en imposent. La Clio RS de compétition dispose d'une enveloppe assez proche de celle de la version civile. Néanmoins, elle a subi une profonde préparation afin de gagner en explosivité, mais aussi de satisfaire aux normes en vigueur dans le domaine du sport automobile. Elle a notamment eu droit à une cure d'allègement, de même qu'à une reprogrammation du boîtier électronique. Le moteur est équipé par ailleurs d'une boîte à air et d'une nouvelle ligne d'échappement. Résultat ? Quelques kilos en moins, une quinzaine de chevaux en plus et une sonorité du moteur sublimée. Les 215 chevaux de la bête hennissent de la plus belle des manières. Tu veux le casque qui m'a fait marco ? La Clio RS a également hérité d'un ensemble arceaux cage de sécurité baquet et harnais homologué FIA, d'amortisseurs et de ressorts courts typés circuit, d'un embrayage et de plaquettes de frein haute performance, etc. On a donc affaire à une véritable voiture de course. L'heure est désormais aux séances de qualification. Elles sont perturbées au début par l'avarie des transpondeurs embarqués dans les véhicules et qui devaient permettre aux organisateurs de mesurer les temps autour. Il va lever peut-être vite ou pas vite, mais ce n'est pas ça pour... Qu'à cela ne tienne, les commissaires de course se rabattent sur des chronomètres tout ce qu'il y a de classique pour établir la hiérarchie des départs.
Et c'est le tenant du titre et quintuple champion du Maroc, Marco Guzzo, qui affole les 10 chronomètres en s'emparant de la pole position. Il partage la première ligne avec Eric Parlanti, tandis que le vice-champion en titre, Robert Cantarel, claque le troisième temps de la séance de qualification. La course promet. Après un tour de chauffe, un warm-up sous la houlette d'une superbe 911 GT3 type 996, elle démarre vers 15h et c'est Cantarel qui est le principal animateur du départ. Dès le premier virage, il tente et réussit un dépassement fougueux sur Parlanti. Et il met directement la pression sur Guzzo, qu'il dépasse avant la fin du premier tour. Il résiste ensuite aux attaques incessantes de Guzzo, mais part à la faute à mi-course, au cinquième tour plus précisément, suite à un freinage trop tardif. Ses deux poursuivants en profitent immédiatement. Jusqu'au neuvième tour, soit un tour du terme de la course, les positions du trio de tête restent figées, mais Cantarel n'a pas dit son dernier mot et décide de placer une nouvelle attaque. Il finit par déborder Parlanti, mais pas Guzzo, indéboulonnable de sa place de leader jusqu'au drapeau à damier. Si ces trois-là se sont livrés une bien belle bataille, d'autres pilotes ne sont pas en reste, notamment Hassan Tsezi, auteur d'une course pleine d'envie et qui échoue au pied du podium. À noter qu'il y avait une compétition dans la compétition. S'ils ont intégré le classement général, les ex-rookies se sont mesurés dans le cadre du trophée Wafa Auto. Jawad Laoud, vainqueur de la catégorie rookie à l'occasion de la première édition de la Clio RS Cup, récidive lors de la première course de la seconde édition. Il devance Nicolas Beltest et Morad Mkoua. À noter que par-delà les résultats sportifs, un autre pilote a brillé lors de cette première manche de la saison de la Clio RS Cup. Il s'agit d'Imen Melb, première pilote féminine du plateau. S'il lui sera difficile de se mêler cette saison à la bataille qui fait rage entre les Top Guns, sa seule présence est une victoire à part entière. Vivement les autres manches de la Clio RS Cup Maroc, et notamment celles qui, le mois prochain, auront pour théâtre le circuit de Mrakech. S'il a longtemps été comateux, le sport auto marocain est en train de sortir de sa torpeur. Grâce à de telles initiatives, arrivera peut-être le jour où des circuits permanents seront bâtis au Maroc et où il ne sera donc plus nécessaire de délocaliser sur un circuit européen, aussi mythique et technique soit-il, une manche d'un championnat national de sport mécanique. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.